Salut à tous les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Je suis content de vous retrouver en vidéo. Ça a été très compliqué ces derniers temps au niveau des vidéos. Oui, il y a pratiquement une semaine sur deux, vous n'en avez pas eu. Mais je vais essayer de reprendre le petit rythme. Là, on se retrouve pour une vidéo pour faire un petit terrarium désertique dans cette petite ampoule que j'avais acheté ça en brocante ou en ressourcerie, je crois, 1 euro peut-être. Donc voilà, je suis plutôt content du truc et c'est dedans que je vais faire un petit terrarium désertique. Alors, lors du déménagement, le terrarium en boule qu'on avait fait sur la chaîne, je vous mettrai une petite fiche, il n'a pas aimé le déménagement, tout était tombé, tout ça, on a eu des cactus qui sont morts, donc je l'ai démonté, j'ai récupéré les deux cactus qui vont le mieux, la terre, les graviers, et on va refaire ça, mais là-dedans. Et petite difficulté va être de rentrer dans ce petit trou, ce gros cactus. Mais on va se débrouiller, on va y arriver, je l'espère. Alors, c'est parti. Donc, vous connaissez un petit peu la manip si vous en avez déjà vu à faire. Il va falloir d'abord mettre un lit de gravier, mettre une petite moustiquaire dessus pour éviter que les graviers se mélangent avec la terre. Au-dessus, comme c'est quelque chose de désertique, ça va être un mélange de terreau à 50% avec du sable. Pour avoir quelque chose de vraiment bien aéré et qui va pas mettre un drainage pas mal parce qu'il faut pas que l'eau, la terre reste humide pour les cactus. Et enfin, on mettra nos cactus, nos pierres de décoration et on fera ensuite un petit lit au-dessus de quartz blanc pour faire quelque chose de plus sympathique, plus joli que la terre simple. On pourrait le faire aussi avec du sable, mais moi j'ai du quartz blanc donc je vais l'utiliser. Alors ben, c'est parti. D'ailleurs, je précise que c'est la première fois qu'on tourne dans cette pièce, donc j'espère qu'au niveau des bruits de voiture, bah, vous n'entendrez pas trop, que ça sera plutôt tranquille. Ok, on est pas mal. Maintenant, il va falloir y mettre notre petit rond. Bon, là, il est un peu grand, hein, celui-là. On va le réduire. Alors, moi, je fais ça à l'œil. Comme c'est une serre, c'est un peu compliqué. Mais si vous avez quelque chose de plat, bah, vous le posez dessus et avec un cutter, vous le faites. Parfait. Je mets ensuite mon mélange de 50% de terre et 50% de sable. C'est celle qui était donc dans mon bocal. Du coup, il y a aussi quelques petites pierres de quartz blanche à l'intérieur. Mais c'est pas très gênant, hein, clairement. Ça améliore même le drainage au final. Bon, alors de toute évidence, vous pouvez voir que là, on a beaucoup de sable et de terre qui sont descendus en bas. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un truc rond, donc c'est pas évident et apparemment je n'ai pas dû bien le couper finalement et il y a des endroits où ça a pu passer abondamment. Donc ben, c'est pas grave tout simplement, hein. C'était juste pour le côté esthétique de voir les pierres blanches et voir le sable au-dessus. Après bon, il n'y avait pas beaucoup, donc on les aurait pas vu beaucoup, donc c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer directement, hop, la petite moustiquaire. Comme ça on met directement tout ça dessus. Ni vu ni connu. Et je continue du coup à en mettre notre mélange. Voilà, on arrive vraiment à la limite au niveau de notre petite entrée. Donc on va laisser comme ça, on va pas mettre plus, surtout qu'on a le quartz ensuite à mettre et que ça va remonter un peu puisqu'on va mettre nos cactus à l'intérieur. Ça va pas être évident. C'était un challenge que je voulais relever d'arriver à mettre un cactus là-dedans. Donc on va mettre des gants, même si bon, ça protège pas énormément, hein. Les petites aiguilles des cactus sont tellement fines que... Et donc en premier, c'est ce mastoc qu'on va mettre là. Il est possible que je sois obligé de retirer une, voire les deux petits, et que je les remets après, que je les sépare et puis que je les remette. Parce que je ne sais pas si je vais arriver à la rentrer. On va essayer, on va voir ça. Et voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et les petits rentrent. Ah, ah. Est-ce qu'on va arriver? Serre un petit peu. Nickel. Ok. Arrivé à l'entrée. Maintenant, plus compliqué, il va falloir le planter. Ça, c'est autre chose. Ah, je le tourne un peu parce que du coup derrière il fait frotter à la terre et il est tout sale. Donc pour le nettoyer,
pendant que j'y ai encore la possibilité de le tourner et d'y avoir accès, hein, je fais ça maintenant. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir les petits sur le côté, comme ça. Là, on s'en fiche un peu si ça touche les vitres. C'est pas comme un terrarium normal où si les feuilles touchent les vitres, ça peut pourrir. Là, on s'en fiche un peu puisqu'il n'y aura pas d'humidité sur les vitres. Donc, si le cactus touche, c'est pas très grave. Donc là, j'utilise l'arrière de ma pince qui est un peu plus plat pour tasser un peu la terre autour de mon cactus. Donc je vais utiliser un bambou que j'ai de côté pour essayer. Difficilement, hop, on fait venir la terre et on l'enfonce un peu. Tasser un petit peu, mais ça va pas être évident. Et pour l'instant, le cactus, il tient pas bien. Je pense qu'une fois qu'il sera fait à son nouvel environnement, il devrait pouvoir se redresser un peu. Ok, là, je suis plutôt satisfait du rendu pour l'instant. Donc, j'ai ce deuxième petit cactus que je vais essayer de mettre aussi à l'intérieur. Je vais mettre plus sur le côté, du coup, intérieur ici. Plus facile à rentrer celui-là. Hop. Ok, donc nos deux cactus sont mis. Je me pousse un peu la terre du devant ici parce que il me faut un petit peu d'espace pour mettre tout le quartz. Et maintenant, on va un petit peu arroser dès maintenant et après je vais essayer de m'amuser à mettre le quartz. La difficulté va être de mettre le quartz derrière, évidemment. Dans cette zone là derrière le cactus, c'est là où on va dire le plus s'amuser. On va essayer. Alors j'arrose un petit peu tout ça. On y va mollo parce que comme je vous l'ai dit, là la terre est bien sec, donc l'eau a tendance à glisser sur la terre plutôt qu'à être absorbée tout de suite. Alors, j'arrose quand même pas mal pour le premier parce que bon, comme je vous dis, ça fait un moment qu'ils n'ont pas été arrosés et de toute façon c'est ouvert donc ça va vite derrière sécher. Ok, donc maintenant que c'est arrosé et bu, c'est le moment de mettre le quartz. Et là, comme je vous ai dit, ça va être un autre exercice, hein, surtout pour aller dans le fond. Pour aller dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre une certaine quantité sur les côtés. Et cette quantité, ensuite, on va la pousser petit à petit vers le fond. C'est vrai que c'est une technique aussi, on le tourne un peu et hop, pour ensuite pas mal. On va faire tomber tout ce qu'on a mis sur le petit cactus là. Là pour l'instant on a du quartz un peu collé contre la vitre à cause de l'eau. Une fois que l'eau aura séché en tapotant un peu, ça va, tout va retomber. Donc là ben, on arrive sur la fin, on va peut-être mettre un ou deux cailloux de décoration. Hop, on essaie de les enfoncer quand même assez pour que celle-là tienne en place. Et voilà les amis qui est fait. C'est tout bête. Ça prend pas longtemps à faire. Et vous avez une jolie petite décoration. Surtout que moi j'ai trouvé, comme je vous dis, cette bulle, je l'ai payée 1€. Alors que bon, en magasin, c'est plus du 16, entre 16 et 20€ qu'on les trouve, ces tailles-là, je pense. Donc voilà, j'étais plutôt content de mon achat et je suis plutôt content du résultat du rendu. Je trouve que ça fait très joli. Je vais mettre ça proche d'une fenêtre et puis ben voilà, ils vont s'éclater et je vais arroser ça de temps en temps, peut-être une fois par semaine. Ça devrait suffire en petite quantité sans tout retourner évidemment. Mais voilà pour ce petit terrarium. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et si vous en faites, n'hésitez pas à venir sur le Discord
pour les partager, vous avez toute une section liée aux plantes vertes. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez le faire dans la description. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.